Salut les filles, aujourd'hui je fais cette toute petite vidéo pour vous demander d'arrêter de dire ou de penser qu'il est difficile d'entretenir les cheveux naturels. S'il vous plaît les filles, ce n'est absolument pas vrai. Nous avons tellement été habitués à toucher ou à travailler une texture de cheveux qui n'est pas la nôtre, que finalement, quand on se retrouve confronté à notre vraie texture de cheveux, c'est toujours beaucoup plus difficile. Enfin, on pense que c'est beaucoup plus difficile alors que ce n'est absolument pas le cas. Pour celles qui pensent que les Européennes se couchent la nuit et le matin elles se réveillent, là, elles ont des cheveux comme ça, franchement, ce n'est absolument pas vrai non plus. Allez sur YouTube, vous allez voir plein de vidéos des filles qui disent comment entretenir ses cheveux, comment faire des bains d'huile, comment faire des masques, comment faire plein de choses pour avoir des beaux cheveux. Et vous comprendrez, pardon, que le cheveu crépus finalement n'est pas le seul, on va dire, entre guillemets, difficile. En fait, moi je trouve pas que c'est difficile. Je dis juste que ça dépend de comment est-ce qu'on les entretient. Et ça dépend aussi comment on s'y prend. Généralement, quand on ne trouve pas comment les entretenir correctement, quand on n'a pas les produits adaptés, quand on ne sait pas par où commencer, c'est tout à fait normal qu'on pense que c'est difficile à entretenir. Une fois que vous avez trouvé une bonne routine, une bonne façon de faire, une bonne façon d'entretenir vos cheveux crépus, vous verrez que c'est super, super facile. Et même moi qui vous parle. Le même moi, je n'aime pas trop utiliser, mais bon. Même moi qui vous parle, j'ai mis 3 ans, les filles, je vous assure, 3 ans à trouver une bonne routine capillaire. Oui, ça fait très très peur. Au début, on a plein d'informations comme ça qu'on reçoit. Vous allez taper sur Internet, vous tombez sur des blogs, vous tombez sur des chaînes YouTube. Vous tombez sur plein de choses, vous lisez des magazines, il y a même des livres sur des cheveux crépus. Et souvent, il y a beaucoup d'infos qui se contredisent un peu. Au final, vous avez tellement les infos que vous dites, mais comment je vais faire? Je faisais partie de ces personnes qui étaient complètement perdues au début. C'est tout à fait normal de ne pas tout de suite trouver une routine qui va couler de source, quoi. C'est toujours compliqué. Donc, ne vous inquiétez pas du tout si vous ne trouvez pas tout de suite votre routine. C'est tout à fait normal. Même si au bout de 6 mois, vous n'avez pas trouvé. Franchement, ce n'est absolument pas grave. Donc voilà, le cheveu crépu n'est pas plus compliqué que d'autres cheveux à traiter, tout simplement. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et à bientôt. Salut!